Bonjour Patrick. Bonjour. Donc, tu es peintre depuis combien de temps à peu près ? Je peins depuis l'âge de 17 ans, c'est-à-dire un certain nombre de décennies. Bonjour. Je voulais dire bonjour Maxime, on reprend. On peut prendre. Je veux faire quelque chose d'original que les gens n'ont pas fait avant moi. D'accord. Voilà. Et pour ça, j'ai mis à peu près 50 ans de ma vie. Pour peindre ce que j'avais envie de peindre, que j'avais dans la tête quand j'étais adolescent et que je n'arrivais pas à peindre. Pour moi, c'est quelque chose de beau. Effectivement, je n'ai pas de message à transmettre dans mes peintures. Il n'y a pas de sous-entendu, de symbolisme quelconque, d'arrière-pensée. C'est uniquement des couleurs sur une surface plane, pour essayer de réveiller chez mes compatriotes un sentiment de jouissance. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même, donc c'est le plaisir, pour les yeux. Voilà. Mais il n'y a pas de message. J'essaye de faire des choses les plus diverses possibles. Je peins aussi bien des paysages d'ici que des paysages que j'ai vus pendant mes voyages. J'ai fait, je connais à peu près une cinquantaine de pays, aussi bien que des nus. J'essaye de varier à l'infini, mais j'essaye de trouver des sujets qui correspondent à mon style. Parce que mon style est relativement bâti et je ne peins pas des choses évanescentes comme Turner. Je ne peux pas le faire. D'accord. Van Gogh a toujours été mon maître absolu depuis que j'ai à peu près 16 ans. Et j'ai découvert Van Gogh grâce à mon professeur de philosophie qui a amené la classe au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. C'était D'accord. dans les années 65-70, par là. J'avais 16 ans. Et j'ai été transformé. Je dis toujours que j'étais comme Saint Paul sur le chemin de Damas, touché par la grâce. Et depuis, ma vie n'a pas été la même. Et ma grande préoccupation pendant toutes ces décennies, c'est de m'inspirer des gens que j'aimais, et j'en aimais beaucoup, j'aimais Van Gogh, Matisse, Soutide et d'autres, Gauguin, mais pour essayer de fusionner tout ça et de faire une œuvre originale. Ton atelier est ouvert, est-ce qu'on peut te rendre visite ? Tout à fait, oui, mais il n'est pas rangé, hein. C'est l'endroit qui est le moins rangé de la maison. C'est où ma femme n'a pas trop le droit d'intervenir. D'accord. Voilà. C'est un endroit un petit peu sauvage. Voilà. Mais on va te rendre visite. Vous pouvez me rendre visite quand vous voulez, il suffit de téléphoner et je vous montrerai ce que je fais, mes peintures et mon atelier. Et vous mangerez peut-être même très bien. Absolument.
j'essaye de faire quelque chose d'original.